Hey, salut! C'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous fais un haul de Noël. Je vous fais un top de quoi offrir à une danseuse à Noël. C'est parti! Quand vient le temps des fêtes, moi j'adore aller prendre un bon chocolat chaud avec des guimauves et j'adore m'amitoufler dans mon pyjama de Noël avec mes grosses pantoufles rouges et mon chapeau de lutin. Je m'en vais m'installer dans ma chambre pour aller faire ma liste de cadeaux pour le Père Noël. Cher Père Noël, comme j'ai été une danseuse très sage cette année, pour Noël, voici la liste que j'aimerais bien recevoir. Ce qu'on peut acheter à une danseuse pour Noël, tout ça est ici. Je vais tout vous lire ça. C'est parti. On peut offrir des pantoufles à une danseuse. C'est super, super efficace parce que dans les compétitions, moi, j'adore mettre mes pantoufles par-dessus mes souliers, ben, pour pas les salir sur la scène. Parce qu'en plus, ça peut réchauffer ses pieds. Quand t'es dans mini chaussons, là, dans une aréna, j'ai froid aux pieds. Puis je peux vous dire que je me gèle les pieds avant de rentrer sur scène. Et c'est pour ça que j'adore mettre des pantoufles. Une valise pour les compétitions, pour apporter ses costumes, son matériel pour danser, ses souliers et tout le maquillage et tout. Et ça permet de aussi tout traîner ça, mais dans juste une valise. Et on gagne beaucoup d'espace. Moi, ce que j'aime le plus recevoir, puis pour une danseuse, ce que les danseuses aiment beaucoup recevoir, c'est un billet de spectacle pour un show de danse, pour aller voir Casse-Noisette, le ballet. Tout le monde aime ça, aller voir ça, c'est juste agréable, c'est juste magnifique. Aussi, on aime ça aller voir les shows de So You Think You Can Dance en live. Ce qu'on aime aussi beaucoup dans les spectacles, c'est qu'on peut aller voir les shows de Sia, puis on peut voir Maddy Ziegler danser live. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment hot. Je sais pas ce qui est tendance en France comme spectacle, mais vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, c'est quoi qui est tendance comme spectacle. Aussi, j'ai une autre idée. Vous pourrez donner aussi une valise à maquillage. Et ça, c'est cool parce que moi, j'en ai une. Puis une valise à maquillage, là, dites la personne. Mais la mienne, là, on peut traîner des milliers de trucs de maquillage. Là. C'est super facile à traîner. En plus, on peut la mettre dans la valise. Les danseuses aiment tout ça, avoir un linge d'une compétition qu'ils adorent. Et moi, là, j'adore les casquettes, puis en plus, j'adore mes compétitions et j'adore avoir du linge des compétitions. Parce que quand t'arrives dans une compétition, ben, t'es comme la toile que son gilet ou que sa casquette écrit Can Dance, Hit the Floor. Des vêtements de compétition, c'est hyper cool et hyper tendance. Lui acheter des cache-oreilles parce que quand nous les danseuses on va dans une compétition puis on a une grosse coiffure puis on veut pas avoir froid et on veut pas mettre de tuque pour pas défaire nos beaux cheveux, on peut maintenant prendre des cache-oreilles, des super belles cache-oreilles. Comme moi, j'adore mes cache-oreilles, sont vraiment beaux et moi j'y porte toujours même quand j'ai pas des grosses coiffures là. Souvent, c'est hyper, hyper, hyper pratique parce que quand j'ai une couette haute qu'on peut pas mettre dans une tuque ou un chignon, c'est super fun parce que j'ai des cache-oreilles pour ne pas défaire ma coiffure. À Noël, c'est vraiment le fun quand on reçoit un beau sac de danse. C'est vraiment, vraiment le fun parce qu'on peut traîner nos affaires de danse entre l'école de danse et la maison. Parce qu'on n'a pas besoin de les traîner dans nos mains et on les met dans un sac.
c'est hyper, hyper pratique pour tout rentrer dedans. C'est fun parce qu'on peut y accrocher des petits bling-bling, comme des emojis, des trucs comme ça, des petits tout gros yeux. Ce qui est fun à Noël, c'est qu'on peut acheter des sacs signature. C'est fun parce que quand tu déballes ton cadeau à Noël, ben t'as un sac signature. C'est sûr qu'un super cadeau à donner, c'est des tapis pour de la gymnastique. Ben c'est sûr, c'est cher, mais c'est vraiment, vraiment pratique parce qu'après, tu peux travailler tous les mouvements de gymnastique que tu veux. Quand tu veux pratiquer un mouvement que t'as pas su super, super, une acrobatie que tu voudrais pas essayer sur le sol parce que c'est quand même assez dangereux, t'as des beaux tapis de gymnastique pour faire ton acrobatie que tu veux bien faire, et ça va être super, super cool parce que tu vas te permettre de ne pas te blesser sur un tapis pour pratiquer ton accro, parce que si tu pratiques sur le sol et que tu tombes, c'est sûr ça va faire mal. Mais si tu tombes sur le tapis et tu répètes, puis tu finis par l'avoir sur le tapis, après tu peux l'essayer sur le sol puis il va y avoir aucun danger que si tu l'essayes tout de suite sur le sol. Savez-vous c'est quoi un pirouette master? Un pirouette master, c'est comme une petite patente ronde pour mettre ton pied dedans, et ça permet de pratiquer des pirouettes. Et moi j'adore ça, je pratique tout le temps mes pirouettes. Juste, des fois c'est juste pour le fun parce que c'est juste le fun de tourner sur un patente qui tourne. Et ça, j'adore ça parce qu'on peut pratiquer ses pirouettes et ça aide beaucoup à spotter pour après le faire sur le sol. Et quand t'arrives sur le sol, c'est vraiment cool parce que t'as bien tes pirouettes et t'es au mieux que t'es allé avant. À Noël, est-ce que vous pouvez donner à une danseuse un foot stretcher? Ben c'est pas tout le monde qui a besoin d'un foot stretcher, et en même temps, ben c'est cool avoir un foot stretcher parce que ça pratique les pieds pointés. Parce que pour les assouplir, pour être capable de toucher au sol, pour avoir des beaux pieds, que quand tu fais des longues extensions, que ton pied soit hyper pointé, hyper beau. Parce que mes pieds, ils deviennent plus souples en travaillant dans le foot stretcher. Et ce qui est fun aussi, c'est qu'avec, il vient comme un bâton pour masser les pieds et pour masser les mollets. Et moi, ben, j'adore ça parce qu'après avoir travaillé fort, on mérite un bon petit massage. Vous pouvez lui acheter un livre de danse parce que c'est fun lire un livre, mais en plus de danse, quand ta passion c'est la danse et que tu es une danseuse. Moi j'aime beaucoup les Thea Stilton ou les Geronimo Stilton, et ce que j'adore c'est que j'ai beaucoup de livres de Thea Stilton mais de danse. Les thèmes sont de danse, c'est des aventures. Que le concept, c'est qu'ils sont du flamenco ou qu'ils sont sur une scène en train de faire du ballet, et que c'est plein de styles différents. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est des livres pour enfants. Moi, je vous ai donné des idées cadeaux, et si vous en avez d'autres, des idées cadeaux pour une danseuse à Noël, écrivez-moi-le dans les commentaires. Ma liste pour le Père Noël est terminée. Il reste juste à l'envoyer. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace guys!